De retour des vacances, on décide d'aller chasser dans le bleu. Et quel bleu! Sur un fond de 45 mètres, il y a des roches. Les carpes rouges sont là. Je descends tout doucement, un bond extraordinaire. J'en tire une et le banc se disperse. Regardez comme l'eau est claire. Allez, au ralenti. Je choisis mon poisson parmi beaucoup. C'est difficile, mais je le prends, je le tire et je le tiens. Je bride le poisson et à la surface, c'est un beau spécimen, très belle carpe rouge qui pèse à peu près 8-9 kg. Je redescends un peu plus tard, le banc est encore là, un petit peu plus craintif. Un banc de carangues m'entoure. Sous les carangues, on trouve souvent les carpes rouges. J'attends, le banc descend, je l'appelle avec mes sandos. Doucement. Les carangues sont toujours là. Voilà le yard. Le premier qui va venir, je le tape. Oui, tir parfait. Colonne cassée. Je gère la remontée car là, je suis un peu profond. Donc, je vais regarder vers le haut et j'ouvre mon moulinet pour pouvoir tranquillement remonter. Beau poisson. Même poids. Superbe. Regardez, maintenant c'est la nuit. Et oui, on a tardé pour se replacer pour retrouver le poisson. Le poisson file et là, regardez, je descends. Je dois être à peu près à une vingtaine de mètres. On ne voit plus rien. Mais l'eau est bleue et on les discerne quand même, comme en pleine nuit. Regardez, les voilà qui arrivent. Le premier qui vient, je le tire. Non, ils repartent. Je dois attendre. Allez, je lâche le tir. Et là, le poisson part. Pareil, je gère le moulinet. Je l'ouvre doucement et je remonte à la surface. Vous voyez, j'étais à peu près à 20-25 mètres. Et voilà, quel beau poisson! À bientôt!